de leur apparente reddition sans condition se transforme rapidement en éclatante victoire. Cette solidarité et ce courage sont plus grands que ta colère. Et ceux-ci ont contribué, dans une large mesure, à développer notre ténacité et notre entrepreneurship si louangés un peu partout. Voilà le miracle Beauceron. Rivière-Chaudière, où est ta victoire?
trouve ça dans ta main. Nous sommes présentement au sous-sol de la sacristie, au lendemain de l'inondation. Comme vous pouvez voir, des personnes s'affairent à enlever les morceaux de glace restants. C'est beaucoup d'ouvrages, tout faire ça, comme pour tous les gens d'ailleurs qui ont passé à l'eau, que ce soit dans les maisons privées. Ça travaille depuis lundi matin là-dedans. C'est des heures et des heures de travail. C'est pas croyable tout ce que ça peut faire comme dégâts. Deuxième trou pratiqué dans le plancher. Je dis pratiqué, mais c'est plutôt une brèche qui a été faite pour que l'eau puisse circuler plus librement, pour empêcher le plancher de céder sous la force des glaces. Ça va l'eau, mais là, ça se rentrait. On a ouvert les deux tiers de l'eau, on s'est rendu compte que c'est tout atteint. C'est tout atteint, c'est ça. Donc, on peut faire le tour, ici dans l'entrepôt et notre entrepôt de l'autre côté. De l'autre côté, on avait et des matières premières, donc du papier en boulot aussi, mais surtout des produits finis, des revues qui étaient sur le point d'être expédition. C'est ça, du côté américain. Les meubles, nous ont parce que là... Ah ben oui. Les bureaux étaient tous ici en aval, les dactylos, les ordinateurs, on était avec moi, tout le temps. J'ai pas vu ça ce matin. Oui! Hey, oui. Ils sont très chauds ici. Non, attendez, on Je vais vous rencontrer là-bas, je vais vous rencontrer là-bas. Je vais vous rencontrer là-bas.